Antibes-Juan-les-Pins is al honderden jaren een favoriete plek om je te vestigen. Het is een heerlijke stad om doorheen te struinen. Deze stad heeft werkelijk alles. Een oude stadskern, leuke straatjes, winkeltjes, markten, jachthavens. Kortom, hier moet je echt naartoe. ...2500 jaar geleden vestigden de Grieken hier een handelspost in Antibes. Daarna kwamen er vele culturen die hun sporen nalieten. Je maakt hier echt een reis door de tijd. Pablo Picasso werd aangetrokken tot Antibes en vond inspiratie in deze omgeving. Hij heeft 2 maanden in dit kasteel, Château Grimaldi, gewerkt en gewoond. Het is nu een museum waar je verschillende werken van hem kunt zien. Bienvenue à la boulangerie Visiano. Je m'appelle Jean-Paul Visiano. Je suis héritier de mon grand-père et de mon père. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir 2 filles qui continuent à travailler avec nous. Donc c'est la 4e génération. Depuis presque 100 ans, on essaie de garder les traditions, les parfums de la région du sud de la France, de la Provence. J'ai commencé quand j'étais jeune, j'avais 12 ans. Je venais les aider à éplucher les oignons parce qu'une de nos spécialités est la pissaladière. Et c'est une genre de pizza avec des oignons dessus, de la crème d'anchois. Donc si c'est Mistral, il faut faire la pâte un peu plus souple, avec un peu plus d'eau, pour compenser la sécheresse. Et c'est pour ça que même les grands chefs cuisiniers, ils sont tous cuisiniers, chocolatiers, pâtissiers, glaciers, ils ne sont pas boulangers. Je m'appelle Frédéric Rosenfelder et je tiens le bar à Absinthe. L'absinthe, c'est la boisson des artistes, Van Gogh, Baudelaire, Verlaine, Toulouse-Lautrec. C'est une vieille boisson du début de siècle, de 1900, qui était une boisson anisée, qui va titrer entre 68 et 76 degrés et qui est une boisson très médicinale, qui permettait de soigner tout ce qui était problème de dysenterie, de malaria, de problèmes gastriques, parce que l'eau était pleine de bactéries. Il faut savoir que Van Gogh, par exemple, au lieu de mettre de l'eau à l'intérieur, il mettait du cognac et il fumait de l'opium avec. Donc les mélanges étaient terribles. Ça provoquait la créativité, mais il a fait des belles peintures. Vous avez plus de 60 variétés d'absinthe différentes, des blanches, des vertes. Le principe, c'est de mettre la petite cuillère sur le verre. On va prendre un petit morceau de sucre, on va mettre le morceau de sucre sur la cuillère. Et avec la fontaine qu'on a installée à table, vous allez faire couler tout doucement l'eau à travers le sucre dans l'absinthe. La bonne dose, c'est toujours 2 centilitres d'absinthe et 5 fois d'eau à l'intérieur. Absinthe was in de 19e eeuw vooral populair onder kunstenaars. Je kon er hallucinaties van krijgen. Ze noemden het de groene fee. Het is een lange tijd verboden geweest, maar nu kun je het weer verkrijgen. Het schijnt zelfs lustopwekkend te zijn. Nice to know, toch?